Nous allons lire du chapitre du livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 13. Le livre d'Ésaïe, chapitre 49 et verset 13. Le ciel manifeste ta joie. Terre, émerveille-toi. Montagne, lancez des acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple. Il montre son amour aux humiliés. Jérusalem disait: Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Mais le Seigneur répond: Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Ceux qui vont te rebâtir se dépêchent d'arriver, tandis que partent loin de toi ceux qui t'ont démoli, ceux qui t'ont dévasté. Regarde autour de toi et constate tes enfants se rassemblent tous et arrivent vers toi. J'ai fait le serment par ma vie, dit le Seigneur. Ils seront pour toi comme un bijou dont on se pare, comme une ceinture de fiançailles qu'on se met à la taille. Tu es au milieu des ruines, de quartiers dévastés. Ton pays est dépeuplé, mais il sera bientôt trop étroit pour ses habitants, tandis que partiront très loin ceux qui t'avaient fait disparaître. Tu te croyais privé de fils, mais à nouveau tu les entendras dire: Je n'ai pas de place, pousse-toi donc un peu, que je puisse m'installer. Tu te demanderas alors: Qui m'a donné tous ces enfants? J'étais privé des miens et sans espoir d'en avoir d'autres, exilé et mis à l'écart. Mais ceux-là, qui les a élevés? J'étais resté seul. Et ceux-là, où étaient-ils? Voici ce que le Seigneur Dieu déclare: Je vais faire signe aux nations. Amen pour la parole du Seigneur. Le message est que le Seigneur vient rapidement prendre son Église. Son Église sera glorieuse, sans tache, sans ride. Elle sera pure, son Église. Et ces derniers temps, ce que la parole de Dieu prophétise, est-ce que nous vivons, nous? Il y aura des maladies, des tremblements de terre, des craintes venant du ciel et des douleurs comme celle qui va enfanter. Et les douleurs de l'enfantement est une caractéristique qu'avec le temps qui passe, ces douleurs s'amplifient, deviennent insupportables et plus rapidement. Mais la fin, nous connaissons que la bénédiction vient après. Donc, comme il est écrit, dans les derniers temps viendront des temps difficiles, pervers, sur le monde. Alors chaque personne examinera et réfléchira. Comment va-t-il agir? Que fera-t-il? Où ira-t-il? Et où ira-t-il? C'est très répandu dans nos jours. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent de leur nation, de leur peuple, et cherchent un meilleur avenir. Et avec, bien sûr, le danger qui les guette sur ce trajet.
Il y a beaucoup de personnes du sud qui viennent vers le nord, mais cela se passe sur toute la terre. Beaucoup de personnes quittent leur pays. Et je sais très bien, de Norvège, de Suède, beaucoup de personnes se déplacent. Beaucoup s'en vont de Grèce pour aller vers les pays nordiques. Il y a dans le cœur de l'homme la manière de s'échapper, de survivre, de trouver quelque chose de meilleur. Je dois me déplacer pour améliorer ma situation. Et il commence. Il laisse derrière eux des situations dans lesquelles ils vivaient et ils s'en vont, ils partent pour trouver quelque chose de meilleur. La parole de Dieu nous dit, vous, vous êtes venus vers le mont Sion, dans la ville du Dieu vivant, dans la nouvelle Jérusalem céleste, là où il y a des myriades d'anges, là où il y a la fête d'une église des premiers-nés, et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et vous êtes venus vers un Dieu qui juge tout le monde. Vous êtes venus vers un esprit de justice, et vous faites bien. Dans cette recherche pour aller quelque part de meilleur, au lieu de vous en aller de vos maisons et de vos villages et de vos villes et de votre patrie, et d'aller quelque part où c'est mieux, mais vous, vous êtes venu à l'église, le mont Sion, dans l'église du Dieu vivant. Et vous êtes et je suis, nous, ce que nous avons fait est agréable à Dieu. D'autres vont vers les idoles, vers les partis politiques. Ils essayent de retrouver une certaine encouragement, un salut. Mais vous, vous êtes venus vers la Jérusalem céleste, à l'église de Jésus, de Dieu, à la maison de Dieu, là où est entendue la parole de Dieu et s'exprime la justice de Dieu par sa volonté, qui est la vérité. Et vous êtes entrés, vous êtes approchés vers une montagne qui est la maison de Dieu, qui va s'élever au-dessus de toutes les montagnes. Vous êtes venus sur cette montagne. Que Dieu prévoie la bénédiction fertile. Il y aura de l'abondance. Il y aura des mets, une grande bénédiction et de la largesse. Il y aura de la place. Vous êtes venu sur un mont, sur une montagne du Seigneur. Là, le Seigneur va chasser celui qui détruit. Il va abolir celui qui cache d'une incrédulité où qu'ils aillent.
Vous êtes venu sur une montagne, sur le mont où demeure la gloire du Dieu Très-Haut. Alléluia. Vous vous êtes approché. Vous êtes entré dans la Jérusalem céleste, Sion, la bien-aimée. Et je le répète, dans la Jérusalem céleste, tous les Israéliens s'en vont où ils étaient éparpillés et reviennent à Jérusalem, car cela est la volonté de Dieu et ce qui avait été prophétisé. Mais vous, nous dit-il à son Église, vous êtes venus à la montagne sainte, là où il y a un réconfort, une consolation pour ceux qui sont déprimés, à ceux qui sont fatigués, là où il y a un Seigneur, alléluia, un roi des rois et le Seigneur des seigneurs, un roi qui règne et qui appelle. N'aie pas peur, aie seulement la foi, crois en moi, alléluia. Pardon. Car c'est à vous qu'a été donné le droit de venir avec moi. C'est Dieu qui nous donne la confiance. Alléluia. Seulement le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Donc entrez et venez aux pieds de Jésus, le Dieu de toute puissance. Et nous sommes entrés dans la nouvelle Jérusalem, dans le corps de Jésus. Et nous formons ce corps de Jésus. Une autre catégorie de personnes qui ne s'enorgueillent pas de leur exploit, si je peux me permettre de le dire, de leur intervention et de ce qu'ils vont faire, ils s'enorgueillent pas. Mais nous savons en qui nous avons cru. Et nous avons bien fait de venir vers Dieu. Donc, dans la maison du Seigneur, le roi est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Certainement, vous aurez des souffrances. Certainement, vous allez traverser des moments difficiles. Parce que nous sommes dans un monde qui nous influence. Certainement, le chemin, notre chemin ne sera pas facile. Selon que nous sommes passés par la porte étroite, nous avons devant nous un chemin difficile, mais qui mène à la vie éternelle. C'est pour cela, l'Esprit Saint appelle, soyez dans la joie, cieux, et que la terre soit dans l'allégresse, et que les montagnes acclament le Seigneur, l'unique, le Tout-Puissant, celui qui dit et que cela s'accomplit, le Seigneur des Seigneurs qui a donné la consolation et le réconfort à ceux qui étaient dans la souffrance. La Jérusalem céleste. Et nous savons que l'Église est composée de personnes qui ne valent rien,
Nous sommes rien pour Dieu. Mais nous reconnaissons que nous valons rien. Et pour cela, Dieu nous estime. Parce que nous savons que nous sommes du sable, de la terre. Et Dieu nous ouvre un chemin devant nous. Certains disent, le Seigneur m'a oublié. Alors il y a la crainte, la peur qui vient lorsque nous avons des pensées pareilles. Et Dieu vient avec une parole prophétique pour donner un lendemain à la Sion qui a peur, pour ceux qui craignent, qui doutent, et pour ceux qui ne peuvent pas réaliser ce que Dieu a préparé. Et Dieu seul peut prophétiser, parce qu'il est le seul qui peut l'accomplir. Arrête de dire que Dieu m'a oublié, que Dieu m'a abandonné. Pardon. Arrête d'avoir peur, avoir crainte, arrête d'avoir peur. Et le lendemain et l'avenir est à Dieu entre ses mains et il fait tout pour sa gloire. Pour la bénédiction de son peuple. Pourquoi dis-tu que Dieu m'a oublié? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce possible une femme qu'elle puisse oublier son enfant, qu'elle allaite et qu'elle prenne soin de cet enfant qu'elle a donné, qu'elle a mis au monde? Et même si supposons que certaines femmes pourraient l'oublier, moi, dit-il, jamais je vais t'abandonner, jamais je vais t'oublier. Toute mon attention et ma préoccupation, c'est pour toi, Sion, bien-aimé, mon peuple, toi qui as tout abandonné et tu es venu sur la montagne sainte. Toute mon attention est pour toi et pour nous. Dieu prend soin de nous. Il se préoccupe de nous. Il s'occupe de rien d'autre que uniquement de ses enfants. Il a de la compassion pour son Église, pour ses enfants, car il n'a pas eu pitié de son Fils et il l'a envoyé sur la croix de Golgotha. Il a donné son Fils qui était sur la croix. Comment donnerait-il tout pour nous? Il fera tout pour nous. La preuve. Et ce que dit la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme, est quelque chose de fantastique. Et ce qui est inimaginable est possible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui a la foi en Dieu. Tu crois que celui qui n'a pas eu pitié de son Fils et il a mis son Fils sur la croix pour toi? Moi, je le crois. Il fera tout pour toi. La preuve est qu'il a donné son Fils pour nous. À combien plus donnera-t-il tout ce qu'il faut pour nous? Il est le Seigneur des Seigneurs. Le bateau peut-être montre qu'il est dans un naufrage et qu'il va sombrer, mais pourquoi hésites-tu? Je suis là. Le bateau ne peut pas s'enfoncer. Qui peut être contre vous, si je suis avec vous. Alléluia. Ne perdons pas d'espérance. Écoute, Sion, ton avenir. Je t'ai dessiné sur ma paume de la main.
Je t'ai gravé sur ma paume de ma main. Il y a dans les mains de Jésus les signes qui ont été faits sur la croix par les clous qui ont percé ses mains. Et ces clous qui ont percé ses mains ont été faits pour nous. Il a subi pour nous racheter par son amour pour nous. Il est mort sur la croix. Tes enfants qui ne viennent pas, où sont-ils? Sont-ils perdus? Le Seigneur parle à Sion. Ils viendront, tes enfants, avec rapidité. Et ceux que tu vois qui te détruisent, des loups qui dévorent et qui arrachent, toi qui es un mouton, un agneau du Seigneur, qu'as-tu peur? Pourquoi crains-tu cela? Le Seigneur dit, je les renvoierai, je les chasserai. Et moi je dis, tes enfants viendront et eux s'en iront. Alléluia. Le crois-tu? Amen. Tout est possible à celui qui a la foi en Dieu. Alléluia. Et nous sommes dans la joie et nous attendons avec patience la venue du Seigneur. Lève tes yeux vers le ciel et regarde en haut et observe par la foi que tous ceux-là, et là où ils sont allés, ils ont été déçus et ils sont perdus. Ils sont été détruits, ils n'ont pas trouvé de consolation. Le Seigneur, tous ceux-là, il va les faire revenir vers toi. Tous ceux-là reviendront. Ils se rassemblent parce qu'il est écrit. Il est écrit que la maison de l'Éternel, dans les derniers temps, va s'élever. Et ils diront, venez, allons-y à la maison de l'Éternel. Il va nous enseigner, nous initier le chemin à suivre. Et cela, il le dit à toi qui es seul, solitaire, toi qui as besoin de consolation, de réconfort. Et le Seigneur nous dit, ils arrivent. Par la parole de Dieu, nous les voyons arriver, revenir vers notre Dieu. Alléluia. Nous ne les voyons pas avec ses yeux, parce que ses yeux ne voient pas tout. Ils voient une certaine partie. Mais avec la vue de la foi. Et les douleurs de l'enfantement vont s'amplifier. Et tous ceux, moi dit Dieu, je vais leur donner un habit. Toi qui es la fiancée de Jésus. Et ici, je vais le dire, comme Dieu me l'a donné. À la fiancée, tout le monde fait des cadeaux. Est-ce que moi, je ne ferais pas un cadeau à ma fiancée? Quel est le cadeau? Tes enfants. Pour lesquels tu pleures, pour lesquels tu pries avec un désespoir. Mais maintenant, je ne suis pas venu t'écouter, mais je suis venu pour que tu m'écoutes. Jusqu'à maintenant, je t'écoutais. Maintenant, c'est à toi à m'écouter. Tes enfants reviennent avec rapidité
Ceux qui détruisent s'en vont, s'éloignent. Tes enfants reviennent vers moi, vers toi. Et ceux qui détruisent s'en vont. C'est celui qui métamorphose, qui transforme. Alléluia. Qui métamorphose l'homme en agneau. C'est celui qui envoie les agneaux parmi les loups. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, le Seigneur n'est pas venu pour nous entendre. Il est venu pour nous parler. Alléluia! Alléluia! Et alors tu diras dans ton cœur, moi, je suis celle qui n'avait pas d'enfant. J'étais déserte. Et j'étais quelqu'un qui était emporté par-ci, par-là. J'étais abandonné. M'écoutes-tu? Ainsi parle le Seigneur. Moi, je vais élever ma main vers les nations et je vais lever une bannière vers toutes les nations. Et ils vont ramener leurs enfants, leurs fils, leurs filles, glorieusement. Dans le mont Sion, là où tu es venu te protéger, là où tu es venu pour être sauvegardé, dans le refuge que Dieu a préparé pour ses enfants. Alléluia. Tu connaîtras que moi je suis le Seigneur. Et tu feras attention que ceux qui m'attendent ne seront pas déçus. Alléluia. Ceux qui attendent le Seigneur ne seront pas du tout déçus. Alléluia. Ceux qui attendent autre chose, ceux qui attendent différentes choses, de différentes situations, de personnes, tout le monde seront déçus et dans la déception ils seront. Mais celui qui attend le Seigneur ne sera jamais déçu. Tout le monde seront découragés, ils perdront leur tonus, ils perdront leur courage, leur force. Même ceux qui sont élus, même ceux qui ont la foi, seront épuisés. Ceux qui écoutent la parole de Dieu seront aussi épuisés, fatigués. Seulement, ceux qui attendent le Seigneur vont renouveler leur force. Ceux qui ne seront pas déçus renouveleront leur force. Et ils patienteront leur Seigneur. De qui attends-tu quelque chose? Seulement, si tu attends du Seigneur, il viendra. Pas ce que tu attends, plus de ce que tu penses ou que tu imagines, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pour la parole du Seigneur qui nous réconcilie.